C'est mise à plat de tout ce qui s'est dit et écriture complète et storyboard. Et semaine prochaine, c'est démarrage du montage. Une journée de tournage pour les scènes qui manquent, et même à la limite, la journée de tournage, c'est la reculer au maximum au cas où il y a encore des choses. J'ai pas regardé les semaines qui suivent. Alors, il y a une chose positive. On est la semaine qui suit, on est sur la 316. Ouais, mais là. Attends, je vais juste regarder en termes de tournage. Vas-y, il a fait... Une chose positive, c'est que bon, ils se sont concertés donc, hier. Certainement, ils ont reçu l'email avec les scénarios qu'ils ont remis en question. Et moi, ce que je vois, ce qu'ils disent, c'est que ça, ce qui leur fait un peu peur aussi. Moi, je pense que ça aurait marché. Mais bon, j'ai un peu peur par rapport à la SFA et à la qualité du travail, parce que franchement, il y a un décalage très grand entre les types de travail ici et les types de travail à la SFA. Donc, mais là, justement, ils ont résolu ce problème-là. Bah, ils prennent tout charge. Parce que le fait de mettre. Ah oui, ça va être Paris qui va le faire, j'entends bien. Exactement. Mais là, l'idée, c'était une séquence, deux séquences Gobelins et deux séquences Faille, en prenant l'image qui venait avant, ça leur a fait mûrir un truc, en disant, on va manquer des continuités. Quand on va donner la main à Faille, on va perdre la main, et ça va être super difficile de la retrouver la deuxième fois. Donc ça, pour moi, c'est positif, ça veut dire qu'ils ont un travail en ce moment où ils se disent, il faut qu'on garde la continuité, il y a une esthétique, on ne va pas faire 10 esthétiques, j'entends beaucoup Gaël parler, parce que Gaël est très dans l'esthétique unique, et bon, c'est la raison, et donc ça, c'est positif. La seule chose qu'il faut qu'on injecte, parce que sinon, ça les banalise, c'est un enjeu. Un enjeu, ça ne veut pas dire forcément une histoire, mais un rythme, un crescendo, une chute, quoi. Tu vois, c'est, même si c'est visuel. Moi, je pense qu'on l'a. Je pense que l'histoire de la traduction, c'est quelque chose que, même si ce n'est pas les messages Sébastien, ça peut être un autre message, on peut s'amuser et on peut les coller après. Je pense que ça va.